Chers amis, quelle joie de commémorer la fête de Pâques, fête religieuse qui est un passage de la tristesse à la joie. Aujourd'hui, nous sommes invités à vivre la joie du ressuscité. Donc, je vous invite à prendre en considération tout ce qui se passe dans une journée et de le vivre dans la joie. À chaque réveil du matin jusqu'à la fin de la journée, je n'ai qu'une envie, c'est d'exprimer ma gratitude. Merci Seigneur pour le souffle reçu pour une nouvelle journée. Merci Seigneur pour l'eau que j'utilise pour me laver. Merci Seigneur pour mes habits qui font respecter la dignité de mon corps, qui est le sanctuaire de Dieu et le temple de l'Esprit Saint. Merci Seigneur pour la nourriture qui me fait grandir en corps et en esprit. Merci Seigneur pour l'abri que tu me donnes pour vivre sainement et saintement, pour accueillir les autres. Merci Seigneur, l'argent que tu nous fournis en récompense du travail. Merci Seigneur pour les parents que tu m'as donnés pour me faire exister. Merci Seigneur encore pour les parents qui nous ont transmis toutes les valeurs humaines. Merci Seigneur pour les éducateurs et pour tout ce qu'ils font pour bien orienter nos enfants. Merci Seigneur pour les amis qui nous donnent la confiance par leur vie exemplaire. Merci Seigneur pour tous les couples qui se sont engagés depuis leur première rencontre d'amour et qui vivent l'amour, la fidélité, la confiance et le souci de l'avenir de leurs enfants. Merci Seigneur pour les personnes qui tissent le lien d'amitié malgré leur fragilité. Merci Seigneur pour les gens toujours dévoués sans obtenir de signes de reconnaissance. Merci Seigneur pour les hommes qui cherchent à guérir les cœurs blessés et qui consolent la vie brisée sans calcul d'argent, de sexe et de confort personnel. Merci Seigneur pour les enfants qui sont les baptiseurs d'amour de demain. Merci Seigneur pour tous les organisateurs de tous les sports qui se préoccupent d'abord de l'équilibre du corps et de l'esprit pour la joie de tous. Merci Seigneur pour le travail qui respecte la dignité de tous les hommes. Merci Seigneur pour tous les responsables de l'État et de l'Église qui veillent au respect de tous avec amour et en particulier aux hommes les plus nécessiteux. Merci Seigneur pour tous les souvenirs et les expériences vécues pour vivre dans la sagesse. Merci Seigneur pour les anciens qui nous ont transmis leur héritage culturel et spirituel. Merci Seigneur pour la richesse de toutes les religions, de toutes les cultures, de toutes les langues, de toutes les races qui enseignent à vivre une fraternité bienveillante. Merci Seigneur pour l'existence de l'autre qui est une bénédiction. Merci Seigneur pour tous les hommes qui cherchent la vérité pour construire un monde d'amour dans l'unité. Merci Seigneur de m'avoir permis de communiquer ma joie de vivre en toi, pour toi et par toi. Amen. Thank you.
connais.